Salut à tous, c'est Bryce. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le mode Lego Fortnite. Je vais vous montrer comment faire le grappin pour vous déplacer plus rapidement. Franchement, c'est vraiment efficace. Donc on va au niveau de l'établi. Il faut que l'établi soit du coup en version rare comme ici. Et pour les matériaux, il nous faut des lingots de cuivre. Donc le cuivre, la vidéo est dispo sur la chaîne pour où en trouver sur la map. La corde, c'est tout simple. On doit aller au niveau du rouet. Et la corde, ça se fait avec les lières. On trouve par exemple sur les citrouilles, pareil, c'est pas compliqué. Et ensuite, on doit avoir du coup, juste ici, grappin de la poudre explosive. Pareil, la vidéo va être sur la chaîne. Vous devez soit en trouver dans les coffres, quand vous explorez la map, on a souvent des coffres à gauche à droite. Ou alors la nuit, vous devez aller tuer des ennemis. Et souvent, il y en a qui lâchent de la poudre explosive. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, du coup, on va craft le grappin. Bon, évidemment, l'établi doit être en rare pour faire le grappin rare. On fabrique le grappin, hop. On va s'accrocher par exemple là. Après ça fonctionne comme dans Fortnite. Par contre c'est cher je trouve pour 10 utilisations. Donc si jamais ça peut peut-être vous sortir de quelques galères quand vous êtes surtout dans les, je pense aux grottes, grottes de lave et tout ça. Ça peut être assez utile. Pour se déplacer c'est rapide. Mais vrai 10 utilisations comme je vous l'ai dit pour les matériaux que ça coûte. Je trouve c'est un peu dommage que ce soit pas en illimité par exemple. À la limite que ce soit un peu plus galère à craft mais au moins qu'ils se détruisent pas. Et que tu puisses l'utiliser beaucoup plus souvent. Après tu peux faire le combo, hein, grappin et planeur, ça aussi ça peut être assez efficace. Donc à vous de voir, si vous voulez le grappin contre les matériaux que je viens de vous montrer dans la vidéo, c'est pas non plus abusé à trouver, on va retourner vite fait près de l'établi. On a le village aussi niveau 10, hein. Village il est maxé, établi, on va ici sur le grappin, donc les grappins, lingots de cuivre, vrai il en faut 3, c'est pas compliqué à avoir. Les cordes, on les fait en illimité avec les... Avec les... Oh, il y a la pluie. Avec les trucs qu'on trouve sur les citrouilles que je vous ai montré en début de vidéo. Et ensuite, par contre, le truc un peu plus rare, on va dire, c'est peut-être la poudre explosive. Et encore, j'en ai 15 sur moi. Suffit d'aller fight des ennemis sur la map. Surtout la nuit, il y en a beaucoup des espèces de... Des vrais ennemis, hein. Je parle pas des squelettes. Mais souvent, quand tu te balades la nuit, t'as des troupes de 3, 4, 5 ennemis qui spawnent. Ou qui sont des fois dans des petites maisons détruites. Quand tu les fight, tu récupères la poudre explosive. Donc... A vous de voir si vous pensez que c'est efficace. Par contre, grappin et planeur. Surtout qu'on peut s'accrocher voilà, à des objets assez hauts. Tu fais grappin planeur. C'est quand même plus rapide que de simplement marcher sur la map, ce qui est assez long. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite. Moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous bon game. Et ciao tout le monde.